Bon, ça y est, on est en direct. Donc, merci à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Et merci à toi, Hassen, d'être encore une fois venu faire cette prestation avec nous, cette lecture vibrale. Donc, comme la dernière fois, on va procéder comme la première fois. En fait, tu vas tout simplement faire ta lecture. Et puis après, je dirai juste merci et je clôturerai pour que les personnes qui sont qui partent un petit peu dans l'au-delà avec ta lecture puissent y rester s'ils le désirent, enchaîner sur une méditation s'ils le veulent, etc. Donc je vais te laisser la parole à Sen et encore merci pour ta présence ce soir. Merci. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci d'être là. Merci d'avoir osé votre lumière, d'avoir osé dire que il y a vos larmes qui montaient. Pour moi, c'est aussi oser votre lumière, oser votre amour. Donc, je suis le premier à vous dire merci. Et quand je remercie ma famille de la terre et ma famille du ciel, je m'adresse également à toi. Tu fais aussi partie de cette famille. Je sais que tu es là. Je sais que tu n'es pas loin. Je sais qu'on est unis. Merci de ta présence. Ferme tes yeux. Laisse-toi bercer jusqu'aux profondeurs de ton âme. Ferme tes yeux. Écoute avec ton oreille intérieure. Ferme tes yeux. Laisse-toi, pareil à un bateau, voguer sur les vagues de la vibration. Ferme tes yeux, laisse-toi transporter sur une route inconnue. Ferme tes yeux, laisse-toi emmener par les mots. Ferme tes yeux, laisse-toi conduire par tes émotions. Ferme tes yeux, laisse-toi émouvoir jusqu'au plus profond de ton cœur. Ferme tes yeux, laisse-toi transcender l'instant présent en instant d'éternité. Ferme tes yeux, laisse-toi porter par la voix. Ferme tes yeux, laisse-toi guider par le son. Ferme tes yeux, laisse-toi écouter et entendre le silence entre les mots. Laisse-toi glisser jusqu'au tréfonds de toi-même. Ferme tes yeux. Laisse jubiler. Laisse jouir. Laisse vibrer ton âme. Ferme tes yeux. Laisse opérer la magie du moment. Ferme tes yeux. Laisse être l'incroyable, l'extraordinaire, le merveilleux. Ferme tes yeux, laisse-toi faire, laisse-toi être. Ferme tes yeux, laisse-toi faire. Tu es en toi, avec toi, en toute sécurité. Ferme tes yeux, laisse-toi aller. Et reçois ce qui est bon pour toi. Ferme tes yeux encore un instant d'éternité. Comment écrire pour les sans-voix? Comment écrire pour toi? Ou pour toi? Comment? Oui, j'entends ta rage, ta colère, ta souffrance, ta douleur. Oui, j'entends tes pleurs, tes non-dits, ta peine, ta haine. Oui, j'entends et je comprends. J'entends et je compatis de tant de souffrances. J'écris pour toi. Je crie, je chante, je psalmodie, je parle pour toi. Non, je ne suis pas la voix des docteurs de l'Église, des philosophes. Je ne suis pas la voix des mathématiciens ou des physiciens. À l'image de Jean-Baptiste, je suis la voix qui crie dans le désert, qui crie et qui appelle,
Qui dit sa souffrance, ses blessures, ses rages, ses colères? Qui crie aussi ses guérissons, ses blessures devenues cicatrices? Qui crie ses pardons, donnés, offerts, reçus, accueillis, acceptés, accordés? Qui crie oui, c'est possible, toi aussi tu peux y arriver? Qui crie et qui attend avec une grande impatience? Celui qui crie et qui attend, qu'il attend lui, le grand changement, lui le nouveau, lui par qui tout peut changer, lui le nouveau, le vivant, le possible, lui. Et si c'était toi le nouveau, celui que le monde attend, espère? Et si c'était toi le nouveau, le grand changement, l'impulsion nouvelle? Et si c'était toi que la voix appelle? Qui pour te répéter? Qui pour te marteler? T'enseigner? Qui pour te dire tu es beau, belle, merveilleuse, incroyable, fabuleux? Qui pour te dire d'oser ta lumière, oser être toi? Qui pour te dire que tu es la priorité et l'importance de t'aimer? Qui pour te rappeler ta proximité avec Jésus, Mahomet, Bouddha, Marie, les guides, les anges, Dieu, déesse, la source, la matrice originale? Qui pour te dire que ton histoire est une histoire sacrée? Qui pour te dire tu es aimé tel que tu es, comme tu es, pour qui tu es? Qui pour te dire tu as ta place, tu es à ta place, tu as ton rôle à jouer, te rappeler l'importance que tu as pour ce monde? Qui pour te répéter encore et encore ta merveille? Qui pour te dire tu as le droit à l'abondance, le droit d'être riche et bien portant, riche et sage, riche et spirituel? Qui pour parler avec tes mots à toi, mais avec ses cicatrices et un passé reconstruit de mille blessures? Oui, qui? Alors oui, je continuerai de crier, de parler, de chanter, de psalmodier, d'écrire pour les sans-voix qui ne sont pas des sans-voix, des sans-cœur ou des sans-âme, mais quelquefois des sans-nom, des sans-domicile ou des sans-papiers. Pour toi, pour l'autre, pour les autres, je t'aime. Je voulais partager avec toi une expérience, une sensation que je viens de vivre. Faire partie du tout, être ce tout, juste en pleine nature. Les yeux fermés, j'ai vu la terre, le ciel, l'univers. Je faisais partie du tout, je disais mon amour, ou plutôt, on disait notre amour. Il y avait toi, l'autre, les autres, nous ne faisions qu'un. Jésus, Marie, les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout le vivant était représenté. Je le sentais en mon âme, nous étions reliés, connectés, interreliés, nous ne faisions qu'un. J'ai vu, ressenti, l'amour s'échappait de mon être. Nous ne faisions qu'un, comme une énergie de vie presque palpable. Ce fut comme un nuage, une fumée, je ne sais pas vraiment quoi, qui montait et se répandait,
un seul instant, un seul moment, mais un merveilleux moment, plus de temps, juste l'ici et maintenant, un peu confus pour trouver les mots justes, définir la juste sensation. J'ai véritablement palpé, perçu l'amour de la source, de Dieu déesse, de la matrice originelle, de la source pure. Voilà, je voulais juste partager ce moment avec toi, ce moment pour moi magique. Cette expérience me rend-elle meilleure? Non, elle fut faite pour me dire et te dire. Voilà, c'est possible pour toi aussi. Le partager pour te dire, voilà, pour toi aussi c'est passé possible. Je suis une élite, un privilégié, un avantage. Oui, mais alors, toi aussi tu l'es. Si je devais me baser sur mes anciennes croyances, je devrais finir cette existence en enfer, au purgatoire, dans la géhenne, au vu de mon parcours et de mes péchés. Oui, j'ai volé, triché, menti, trahi. Oui, j'ai commis l'adultère, j'ai manipulé. J'ai envié, j'ai jalousé. J'ai fait l'amour pour le plaisir. Je l'ai fait aussi sans amour, par envie, par besoin, par habitude. Alors, si je suis une élite, un privilégié, un avantagé, toi aussi tu l'es. Alors oui, pour toi aussi c'est possible, possible de te sentir aimé et d'être porté, transporté, transfiguré, transcendé, élevé, comblé par cet amour de la source, de la matrice originelle. Oui, toi aussi tu es né de l'amour, par amour, pour l'amour. Je voudrais te souhaiter une soirée, une journée, faites de belles intentions. Oui, de belles intentions. Et si demain tu commençais cette journée ou cette soirée avec l'intention que ce soit une belle journée, et si après tu continuais par l'intention que tous et toutes passent une belle journée, et si tu continuais avec l'intention que le monde passe une belle journée, et si tout n'était qu'une question d'intention, l'intention de vouloir la paix, la joie, la fraternité, du partage, l'intention de vouloir la compassion, l'amour, le don, l'offrande. L'intention de vouloir que chacune, chacun, ose sa propre lumière. Et si tout n'était qu'une question d'intention, et que tu déposes tes intentions en tout ce que tu manges, bois, sens, touche, et que tu déposes tes intentions en tout ce que tu penses, dit ou fait, et que tu déposes tes intentions dans tout ce que tu vois, en tous, en toutes, et que tu déposes tes intentions en ton monde, dans le monde, et si tout n'était qu'une question d'intention, si toute guérison, apaisement, soulagement, réconfort, avait à sa source une intention. Et si tout nouveau bonheur,
prise de conscience, joie, avait à sa source une intention. Et si toute nouvelle rencontre, découverte, avait comme base une intention, et si pour l'amour, sa compréhension, sa connaissance, sa réception, sa connexion avait pour origine une intention, et s'il en était de même, de l'amour pour toi, de l'amour pour l'autre, et si tout commençait par une intention, un désir, une envie, une merveilleuse intention, et si tout n'était qu'une question d'intention, alors oui, tu as de nouveaux outils, tu redécouvres tes capacités, ton pouvoir, celui de déposer, d'offrir, de donner de fantastiques intentions, et si tout ce que tu crois, vie, n'était qu'une question d'intention. Et c'était une question d'intention des autres. Et si tout ce que tu crois et vis n'était qu'une intention voulue envers toi? Et si tu prenais la décision, en cet instant présent, de donner et de prendre un chemin nouveau, un chemin fait de belles et lumineuses intentions? Et si l'intention était le fait de mettre en mouvement, de donner une impulsion nouvelle à tout ce que tu vis, dans tout ce que tu vis, et si l'intention était ce qui t'est demandé, mettre en mouvement, puis faire confiance, mettre de l'intention, c'est faire une demande, c'est utiliser ton libre arbitre, ta liberté d'être, ce cadeau inestimable, ta liberté de choisir. Alors oui, et si tu commençais en cet instant magique de mettre de l'intention en cette merveilleuse soirée? Le féminin sacré. La femme qui porte, qui a porté, qui portera. La femme qui transmet, qui a transmis, qui transmettra. La lumière, la flamme, le flambeau. Toi, la femme sacrée, originelle, ultime, divine. Par toi, la lumière sera donnée, transmise, offerte, partagée. Oui, tel est ton rôle originel. Par toi, la lumière sera. Par toi, à nouveau, la lumière sera donnée au monde. Et alors, le nouveau sera. Par ton oui, ton fiat, ton acceptation, le nouveau, tu es, le monde nouveau, tu es, la lumière nouvelle, tu es, la femme nouvelle, tu es, sacrée, originelle, ultime, divine, tu es cela, ici et maintenant. Toi, la femme sacrée, toi, la détentrice du féminin sacré, toi, l'image de la matrice originelle, à toi, merci, je t'aime. Voilà, merci à toi. Merci. Merci beaucoup.